Bonjour, bienvenue à cette vidéo où on va tapoter pour manifester 100 000 euros. Alors si vous n'avez pas encore été téléchargé mon manuel, faites-le maintenant. Donc en fait, cette ronde pour 100 000 euros, elle m'a été inspirée par Margaret Lynch qui fait du tapping aux États-Unis et qui a une ronde pour manifester 50 000 dollars. Et donc, je trouvais que le chiffre de 100 000 était plus chouette à faire. Et donc, je sais que c'est un énorme stretch, on va dire, un énorme grand écart quand on n'a pas beaucoup. Mais je me suis dit que c'est vraiment une vidéo à faire tous les deux jours pendant, je dirais bien, 2 mois. Vous pouvez faire tous les 3 jours, mais à faire régulièrement. Parce que, à mon avis, il y a des choses qui vont monter au fur et à mesure. Enfin voilà, donc si vous n'avez pas 100 000 euros, soit sur votre compte d'épargne ou sur votre compte professionnel, ça ne doit pas être le chiffre d'affaires global, juste à un moment donné 100 000 euros en même temps. Si vous n'avez pas ça, ben, ça veut dire que probablement vous le bloquez et qu'on le bloque avec des pensées inconscientes et de la non-action, de la procrastination. Donc, fermez les yeux et imaginez votre compte d'épargne ou votre compte pro avec 100 000 euros dessus. Et je vous invite à faire donc cette ronde avec moi maintenant. J'ai l'intention d'être en sécurité financièrement. J'ai l'intention de me sentir gâtée par la vie. Et j'aimerais vraiment 100 000 euros sur mon compte. Mais cela n'y est pas. Donc ça veut dire que je bloque cette somme. Et que je ne l'ai pas désirée suffisamment clairement. Et que je ne suis pas passée à l'action. Et je me pardonne infiniment. Et cela veut dire que je résiste totalement l'abondance infinie et cette magnifique somme. Une partie de moi pense que je ne le mérite pas. Et je vais m'accepter dans ma totalité avec toutes ces parties qui font la guerre entre elles. Et je leur demande de faire la paix maintenant. Même si j'aimerais vraiment voir et avoir 100 000 euros sur mon compte. Et ce n'est vraiment pas encore là. Je choisis de m'aimer infiniment. Le dessus de la tête, ça veut dire plusieurs choses. Je le bloque activement, inconsciemment. Je procrastine. En dessous de l'œil. Je ne le mérite pas vraiment. Je ne passe pas à l'action. Et ce n'est peut-être pas très sécure pour moi d'avoir tant d'argent à moi sous la clavicule. Je risque de faire des bêtises en dessous des bras. Ça casse des vœux familiaux de pauvreté. Cela montre un manque d'estime de moi.
et j'aimerais vraiment guérir de ça. Et si j'avais droit à des miracles? Et si des miracles étaient en train de se réaliser maintenant et chaque fois que je fais cette vidéo? Et même si je n'ai pas encore 100 000 euros sur mon compte, j'aimerais vraiment l'avoir. Et si c'était autre chose qui se cachait derrière ça? Et si c'était une interdiction à l'insouciance, à la sécurité et à recevoir des bonnes choses? J'admets que je bloque cela activement, inconsciemment. Et je me promène avec ce blocage jour et nuit en dessous des seins. Et je vais totalement honorer qui je suis. Et si je faisais de ces blocages un avantage? Et si je faisais de ces blocages un avantage? Et si c'était ces blocages qui allaient un jour m'apporter la fortune? Je dois être attachée au blocage et à la difficulté. Je dois être attachée à l'insécurité et au travail sans relâche, puisque je bloque cette somme. Puisque cette somme n'est pas encore apparue sur mon compte. En dessous des bras. Où je pourrais en profiter et investir. En dessous des seins. Je ne le mérite pas. Ou quelque chose comme ça. Une partie de moi ne le veut absolument pas. Ce n'est pas sécur. Ce serait trop bon. J'ai pas droit à ce qui est bon. Cela casserait le vœu familial de précarité. Peut-être que je me sentirais trop chanceuse, trop différente. Où je bloque vraiment ces 100 000 euros. En dessous des bras. C'est moi et ma vibration. En dessous des seins. Et je reconnais et je préviens l'univers que je reconnais que ma vibration, elle n'est pas top. Et je me pardonne d'avoir tant de raisons à cette vibration négative. Je m'ouvre à la possibilité de lâcher tous ces blocages. Je m'ouvre à la possibilité de lâcher tout ce qui m'empêche, tout ce qui empêche cette somme de se manifester. Je libère et je lâche ces vœux familiaux. Je libère et je lâche la procrastination. Je libère et je lâche le sentiment d'insécurité. Je libère et je lâche le manque d'estime de moi. Des bras. Je m'ouvre
au sentiment de sécurité, en dessous des seins, à l'insouciance et à la vibration de réception. Je m'ouvre à la joie. Pourquoi est-ce que je vibre de joie? Je m'ouvre au bonheur. Je m'ouvre à l'abondance. Je m'ouvre à 100 000 euros. Pourquoi notre vibration de joie, de bonheur et d'abondance augmente-t-elle à chaque fois que je fais cette vidéo? Pourquoi est-ce que je crève tous les plafonds cette année? En dessous des seins. Pourquoi est-ce que je me déploie tellement que ces 100 000 euros deviennent une évidence? Là-dessus de la tête. Pourquoi suis-je de plus en plus excitée à l'idée de 100 000 euros sur mon compte? Pourquoi sommes-nous tous excité à l'idée de 100 000 euros sur notre compte? Pourquoi tous les canaux sont-ils ouverts pour recevoir 100 000 euros? Pourquoi accueillons-nous tout l'argent qui se déverse sur notre compte? Pourquoi y a-t-il des millions de manières pour avoir 100 000 euros sur le compte? Nous l'avons bloqué assez longtemps, non? Pourquoi sommes-nous curieux et confiants des différentes manières pour que cet argent arrive sur mon compte? En tout cas, pourquoi sommes-nous ouverts à recevoir 100 000 euros? La tête. Et si nous avions tous droit à des miracles? Pourquoi des miracles sont-ils en train de se réaliser maintenant? Pourquoi y a-t-il 100 000 euros sur mon compte d'épargne? Pourquoi y a-t-il 100 000 euros sur mon compte? Pourquoi est-ce pour notre plus grand bien? Pourquoi méritons-nous cette somme? Pourquoi sommes-nous si reconnaissants que l'univers soit si abondant et que 100 000 euros arrivent sur notre compte d'épargne? En dessous des bras. Nous sommes pleins de gratitude et nous accueillons cette somme en dessous des seins. Pourquoi vibrons-nous de joie et de gratitude? Pourquoi vibrons-nous de joie, de gratitude et de bonheur? Pourquoi est-ce que je ressens que c'est là? Pourquoi est-ce que nous ressentons cette joie? Pourquoi
pourquoi accueillons-nous les 100 000 euros? Pourquoi est-ce amusant d'avoir 100 000 euros sur son compte d'épargne? Pourquoi est-ce inspirant et énergisant de tapoter tous ensemble pour avoir 100 000 euros? Pourquoi est-ce réconfortant d'avoir tous la même intention? En dessous des bras. Pourquoi suis-je inspirée à contribuer au monde avec une partie de cette somme? En dessous de ça. Pourquoi suis-je pleine de joie et de gratitude? Au-dessus de la tête. Pourquoi sommes-nous pleins de joie et de gratitude? Et maintenant, vous inspirez profondément. Vous expirez. Vous imaginez cette joie, de vibrer la joie. C'est un super aimant pour les 100 000. Donc, je vais vous demander d'aimer la vidéo, de la partager et aussi un commentaire si vous la faites donc pendant un à deux mois, pour voir qu'est-ce qui se manifeste pour vous. Merci, à bientôt.